Voilà. Et moi, je voudrais lui poser une question, justement, parce que j'arrive d'un pays où on mange très bien, qui est la Yougoslavie. Et qu'est-ce que vous pensez de la cuisine française, Vitold? Aïe. C'est une question dangereuse, mon cher, parce que moi, je sais que la cuisine, c'est un problème d'honneur national, n'est-ce pas? Mais quand même, je dois dire que là, c'est d'être mauvaise. Il n'y a rien à faire. Il y a l'esprit, je crois qu'en France, ce qui définit la culture française surtout, c'est justement l'esprit cartésien, l'esprit de la précision, de la clarté, de la raison. Et en second lieu, Versailles, qui a eu un énorme pour moi influence sur la littérature française, sur toute la vie spirituelle française. Il n'y a pas de Versailles. Non, il y a, mais la révolution... La Bastille, quand même, la Bastille. La Bastille, mon cher, c'est très bien quand on rit et quand on assassine. Mais c'est mauvais quand on déclame et quand on raisonne. Alors, pour moi, la révolution, c'est un déchaînement. C'est le peuple qui fait la révolution. Et c'est là-bas où elle devient vraiment forte et spontanée. Et tout le reste, ce sont des raisonnements, ce sont des discours, ce sont des phrases. You are not Reagan, I'm not Gorbachev, so don't try. I said I want to fuck her. Oui, alors, je vais vous traduire. Non. He said you are great. Il dit que vous êtes très jolie. Non. Non, il a dit ça, mais ça lui arrive de temps en temps. Je peux pas vous traduire ce qu'il a dit. Il a dit, j'aimerais bien vous offrir des fleurs. Pas du tout, j'ai dit, j'aimerais bien la baiser. Il a dit. T'auras pas de cigarette. Non, il dit, sometimes he's a little bit drunk, you know. De temps en temps, il est. I'm not drunk. Non. Il est normal, vous imaginez, quand il est sous. Non, vous inquiétez pas, Whitney. Non, il est pas vraiment sous, c'est dans l'état d'un oui. D'accord, je vais lui offrir sa cigarette, ça va peut-être lui éviter de quoi il va dire des bêtises. Ouais.